Bon, grand pile bonne nouvelle lui là. Grand pile bonne nouvelle sous question ça qui gè pour avec affaires l'église épiscopale dans affaire cargaison zam qui était saisi ak munition qui était saisi dans date qui était 14 juillet 2022 passé. Là me dit gè bonne nouvelle. Pas oublier que la justice haïtienne a cherché Zimbabwean vous là. Donc ça important pile même notre émission a chanté 4 mois dans la presse dans la radio dans les médias pour et il n'a pas que monsieur dans pays hein monsieur en Haïti là monsieur en Haïti a dit pas mettre tête comme si monsieur pas faire rien monsieur déplacer monsieur en Haïti et ça fois monsieur récemment t'es parlé sur Radio Caraïbe avec Johnny Ferdinand avec Andy Lidier qui gagne Dieu seul t'es parlé avec eux c'est pour te dire que Johnny t'a des formation sont certains de Johnny Docteur. Johnny Docteur, comme un cadre dans le ministère de la Finance, un gros cadre dans l'État, et puis qui était utilisé autorité, connaissance, les salgains et posté dans l'État pour te permettre que ce franchise douanière te baille avec l'Église, selon l'Église, pour que ça crée en Haïti 14 juillet 2022. Eh bien, en pile dénonciation faite, en pile moun déjà arrêté, tant qu'au broker, et nous songez Jean-Louis, et Gina Walls, nous songez tout gagner, Père Franz Kaul, tant qu'au pile l'homme qui a arrêté. Et à chercher un pile l'homme toujours dans le dossier ça, on fait façon pour que vous regardez comment vous gérez la question ça. Parce que, en dit non, à touche à ZAM, combien ZAM, n'est pas 18, combien ZAM de guerre. Et puis, n'importe qui entre dans le pays, c'est pas petit, non? Et pour si cause petit, non, mes amis? Pour si cause petit. Parce que je dis ça pour comprendre que chaque ZAM qui entre dans le pays, connaissez la vie au monde, il est détruit. Ouais? Chaque ZAM qui entre dans le pays, chaque cartouche qui entre dans le pays, connaissez qui mourit. Son grain haïtien qui mourit en plus par rapport avec j'en étais déjà vivre en d'un pays ça. Ouais. Son grain haïtien qui mourit en vivre en d'un pays. On commence à me le dire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire gapil non qui cité dans dossier ça. D'accord, on est à coup Père Madocheville. Qui jusqu'à présent la justice toujours mettait focus sur lui. La justice toujours a suivi monsieur malgré juge à t'étendre. J'ai toujours qu'un mandat rallé mené venir derrière Père Madocheville. Parce que dit Père Madocheville, monsieur, c'est un élément important dans le cadre de ça. Parce que c'est lui-même qui s'est président du comité des affaires qui est pour avec l'église. Ouais, avocat monsieur parler, Clairville Joseph parler pour dire bon, son bataille interne qui est en dedans institution, au comprendre qui fait que je dis, je mettais non Père Madocheville, pile parole que l'a dit. Mais m'a dit non clairement, que peuple n'a pas besoin qu'on les affaires n'est cap à faire l'église patati patata. Est-ce que ces affaires femmes qui cause que je dis à diviser dans l'église? Est-ce que c'est parce que bah gros intérêt qui divise dans l'église? Parce que l'on a gagné en disant ou gagné tête président de ce comité en amont, on va faire gros l'argent, on va faire gros moyens. Est-ce que c'est ça? Ça n'a pas intéressé le peuple haïtien. Ça ne veut pas dire qu'on a ce peuple-là. Bon, dis-moi. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a un problème interne dans l'église épiscopale d'Haïti. Bon, ça, c'est Haïti. Non. Haïti. Non. Et puis, qui problème interne tout? Qui gagne dans l'église? Non. Qui peut permettre que. Et nous capter conséquences dans le jeudi. Conséquences que. Quantité de cartouches à examen qui entre dans le pays. Alors, comme si pour l'église, non, non problème interne que vous gagnez, pour c'est nous-mêmes qui avons payé les conséquences. Non. Puis, les âmes qui rentrent dans l'église, et ce n'est pas premier, assurément. Assurément, et pas premier âme, non, qui rentrent dans l'église, qui rentrent dans l'église. Non. Oui. Et pas premier âme, non, à cartouche qui rentrent dans l'église, non, non. On comprend ça bien. Sûr et certain, il y a qu'un BO, fois ça. Mais, si c'est trop mal, qui fait pour la première fois, moi certain que c'est parce que ouais, c'est de professionnels tant qu'on est tant qu'on Johnny Docteur, ok, comme on est qui compte tout ce truc pour le faire, yo qu'a fait franchise non passer sous l'église épiscopale
d'Haïti. Un bel club, monsieur. Comme si pour Haïtien, n'est qu'à contente pour faire casser l'argent ça, mais le power de monde qui peut mourir en bas bal bandit ça yo. Comme si comprenez bien, oui. Parce que n'est qu'à 1 million de gouttes du mec à fond, 2, 3, 4, 5, 6 000, 7 000, 800 000 dollars américains, mais le par contre, rendre compte que quand c'était moun que ils ont tout en bas, si la pli a tout en bas, Chris l'a tout en bas, Jeff a tout le canal, en famille l'a tout en bas d'elle, Kempes a tout en rebelle et babelle, Vitel a tout en les peignes, la moisson joue à tout. Il n'y a pas rendre compte de ça ou non, mais seulement rendre compte, accepter que les faits ont 600, 700, 800 000 dollars, bon dollar pour me dire bien, combien de millions de goudes, ont 4 à 5 millions de goudes. Pour bien vivre avec petite madame les familles, mais la guerre tout un pays dans la peine. La guerre tout une société dans la peine. Les bandits ont tué un monde. Que moun ça, l'été toute famille. Oui. Excusez. Et puis pour ces moun ça que bandit a tué. Et ceci dit, les mouns dans condition que famille ne compte pas même jouer corps à mes amis. Famille ne compte pas même jouer cadavre. Ces chiens, ces cochons, ces vieux bêtes dans la rue, de l'eau sale, soleil qui décapitait moun sa, mes amis. Je veux dire, on comprend que les ou nèg a ou femme ou bien un groupe moun sam pour yo souci avec que tête yo et que pa wè problème que pral bay comme conséquence en après pour pays ça ou ces mêmes bandits. Ou c'est même méchant avec Iso, avec Chris là, Tilapli, barbecue, tout bandi qu'on connaît gen nou là dans pays. Ou c'est même avec yo. D'ailleurs, ou c'est pi gros bandi parce que c'est eux même qui c'est bandi avec là. Oui? Nek sa ou bal, katouche yo, zam yo, yo pi gros bandi. Oui, yo c'est pi gros bandi. J'ai compris que jodi, l'église là, l'église que nous sommes capables de dire, l'église papa, l'église papa, papa nous tous là. Je dis à c'est lui-même qui est impliqué dans des scandales et de mauvais scandales qui s'am. Pas dit, mon cher, c'était question, l'argent, il va te déranger. Toutes ces corruptions, toutes ces scandales, toutes ces mauvaises affaires. Mais on te souhaitait que c'était peut-être. Mais corruption de l'argent, parce que vous venez maintenant pour faire l'argent. L'argent mal. Pour faire l'argent mal en un pays. En tout cas, on apprend que il y a un policier qui est Ronald, qui s'est affré Johnny Docteur. Et Ronald Docteur, monsieur, c'était un policier, agent BLT. Et il a arrêté, monsieur, depuis le 1er juin. Policier frère d'Amni en un BLTS. Il a dit base BLTS. Il a exigé que Ronald Docteur. Et pour révoquer commissaire unité BLTS. Nan. Ok. Il fait comprendre que Ronald Docteur, monsieur, t'es participé, selon ça qui dit comme information que nous avons à travers votre calbas info, que monsieur Seneg, qui t'a facilité frère, Johnny Docteur, qui t'a Haïti, et monsieur t'a semblé jeudi en là, t'a rendu aux États-Unis. Bon. Gagné Sinapoa à travers Lionel Lazare. Monsieur qui mandait et qui dit que. On permet que le problème ça que le gérer, et le mandé DGA et la police à France LB, gérer le problème ça parce que sinon, ça peut diviser et ça peut fragiliser BLTS. Ça fragiliser M. Sayo et il n'est pas bon pour l'institution. Ça a une mauvaise image. Et il croit que Jodian, selon Lionel Lazare, il y a une division dans la police. Pendant que il y a trois policiers qui ont mouru, et ce n'est pas logique pour que nous ayons de crise de problèmes en dedans la police. D'ailleurs, pendant le commencement de l'année 2023, de mois janvier à juin aujourd'hui, selon Sinapoa, il parlait de 25 policiers qui sont censés mourir. Oui, il parlait de 25 policiers qui sont censés mourir. Et 25 policiers qui mourir, c'est dans de mauvaises conditions que nous connaissons. Dans Liancourt, dans Métivier, dans Carrefourfeuille, dans l'autre côté d'un pays. Que de nek armé touye yo. Ça veut dire, je dis, hein, comprendre que problème qui est là. Et moi, souvent dit, on est que j'ai rebelle dans le Sénat.
société a t'adré joindre monsieur a fait. Par contre, si à Balboa Kalim, par contre ça a fait. Mais en clair, j'ai Robert Dorsena qui lui-même c'est porte-parole CNDDR. Pas aussi c'est ça toujours là, non? Qui t'a fait connaître que il y a 11 familles qui dans question commerce d'armes en Haïti. Mais on seul dans famille que mon yo t'attendait c'est seulement bon, yo t'a arrêté c'était seulement l'arco. Mais après ça il reste mon yo. On dit et l'autre 10 familles. Mais on dit et l'autre 11 familles, on dit l'arco fait 12 ans. Et ça fait ouais mettre Caleb Jean-Baptiste, li somme monsieur. Li somme Jean-Robert Dorsena parce que pour le cas cité, non 11 familles ça que li dit qui dans question commerce d'armes en Haïti. Li somme monsieur. Pour le bail, qui est l'autre 11 familles ça, ou bien l'autre monde qui n'a commis ça en Haïti. Je dis, la société a connu des moments difficiles. Et puis, le problème peuple, je dis, c'est l'insécurité. Oui, c'est vrai, il y a un autre problème. Mais puis, le plus gros problème que le peuple a vu, je dis, que le connaît, je dis, c'est l'insécurité. Que moun yo pas capable encore. Moun yo pas capable encore. On nous dit assez, il y a bout avec question ça. Imagine regarde avant-hier, deux frères, deux petits moun, yon 12, yon 13 l'année, yon gen 12, yon gen 13 l'année, yo prend balle en bas meneg. Yo akize hein, habito akize nèg G9 yo, m'a cité habitant yo qui touyé, mais qui tatouyé deux jeunes garçons, deux petits moun ça. Comprenez? Trois armes illégales dans le pays. Trois armes dans le ghetto. Trois moun a mouri mal en dans ghetto en bas balle bandi. Trois ça kidnapping en dans pays. Situation trop compliquée et moun yo mande yo di assez. Et ça fait peuple là, il dit la batte les justice populaire ça. Est-ce que peuple en ka camper devant de nek armé avec gros calibre zam ça en armé yo? On garde peuple là c'est manchette, c'est bâton, c'est bout de bois, c'est bout de roche qui yo gagne. Et je dis à comprendre bien que son réalité que question zam kandan pe a qui illégal dans le pays hein li mande fòn questionner ça li mande fòn nous dit que qui est cap prend décision dans le pays hein pour aider nous sortir dans sa nier je ne veux dire comme question insécurité pays hein nous même cap garder mes amis internes devant calbas info ça yo on poser question ça ou bien on prend destin nous même pour nous dire nous tout que nous prend le bataille pour que question mouvement Boakala prend force et pour nous déraciner, pour nous déchouquer tout bandit qui a fait nous mal vivre dans le pays. Merci avec vous-même qui t'a suivi émission ça, encore sur question affaires d'armes illégales, l'église épiscopale dans le pays, qui sont gros morceaux dans les affaires d'armes illégales dans le pays. Continuez à abonner avec votre Calbas Info, abonnez avec nous, quittez un commentaire en bas vidéo, en bas émission, partagez-le. Partagez, like-li et Baba Nomati, c'est grâce avec Zan Shipping qui rend que l'émission s'est entrée là-bas. Merci tout le monde.